Né jeudi 9 novembre 2017, et un sujet me travaille tout particulièrement, surtout en cet automne presque hivernal au niveau de ces températures, ce sont les pauvres, les sans-abri. Le grand froid arrive, on les voit tous déjà dehors toute l'année, à essayer de trouver un logement, à essayer de trouver de l'argent. La seule chose qui existe vraiment pour les aider aujourd'hui, ça reste les Restos du Cœur. Donner à manger de temps en temps dans l'année, c'est pas mauvais. Ça reste une bonne action. Maintenant, je me rends compte d'une chose. C'est que certains pensent les aider réellement, mais je suis pas d'accord. Vous voulez qu'on les aide vraiment? Moi, j'ai une idée. Mais pour ça, il faudrait plus d'intéressés comme moi sur cette idée. Beaucoup de gens sont dans la rue quand ils sont vieux, parce que leur retraite ne les aide pas à couvrir leurs dettes, ou à vivre tout simplement. Pour ces gens-là, il faudrait réunir des fonds et leur trouver un logement capable d'être tout simplement leur permettant de pouvoir vivre tout en continuant à toucher leur petite retraite. Et pour ceux encore assez jeunes et qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont plus de boulot, plus de logement, il faudrait tout simplement aller les voir, leur parler, les aider, discuter et si possible, les aider à trouver un travail. Parce qu'on les regarde par terre, on les voit dans le train, la plupart, même dans les parkings des fois, à demander, est-ce que vous auriez une petite pièce? On les voit de temps en temps parler de leur famille dans la détresse. Et qu'est-ce qu'on fait au final? Et vous le savez, comme moi, les je m'en foutiste. On les regarde comme s'ils étaient des moins que rien. S'il y a une chose sur laquelle je voudrais m'engager, et si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à me le dire, qu'on s'engage tous ensemble à trouver ces gens dans la rue et à les aider, maintenant. Parce qu'on a des lois dans tout le pays, ceci, cela, nanana. Mais je pense qu'aujourd'hui, le but, ce serait de se réunir. Pas juste comme dans certaines émissions. Comme les tous ensemble avec Marc Emmanuel, où tu te contentes juste de rénover une maison avec toute une ville, ou ces histoires de maçons du cœur aux États-Unis. Non, moi je parle d'un vrai rassemblement. Avancer gratuitement, sans chercher spécialement à avoir une certaine image à la télé. Debout, croiser ces gens, les aider, leur permettre d'avoir une vie comme la nôtre. Les gens veulent des riches et des pauvres. Moi, je dis qu'il faut des gens égaux dans tous les domaines. Un audio aujourd'hui dédié uniquement à ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser votre petit message. C'est très important. Merci et vous connaissez les hashtags, votez OSFDC, votez malin. Et n'oubliez pas, soutenez-les, aidez-les pour de vrai, ces gens dans le besoin. Ce ne sont pas juste des gens qu'on laisse par terre, ce sont des personnes importantes, comme vous, comme moi. Salut!